Hello tout le monde, dans cette vidéo je vous propose une nouvelle suite d'accords à jouer en arpège qui est plutôt mélancolique. Cette suite elle est composée de 6 accords. Moi pour les jouer je mets le capot en 4, mais évidemment vous le mettez là où vous le souhaitez. Je vous montre rapidement donc les 6 accords sur lesquels on va se baser. On va avoir Mi mineur, La mineur, Ré majeur, Sol majeur, Do majeur. Ensuite on retourne sur La mineur, 6 septième, et enfin on finit comme on a commencé avec un Mi mineur. Et en fait c'est une suite d'accords qui est énormément utilisée dans la musique. On peut par exemple jouer avec First I was afraid and I was petrified, keep thinking how I could never leave without you by my side. Ou bien encore c'est un beau roman, c'est une da-da-da-da. Bref, et du coup, cette suite d'accords, nous, on va la jouer en arpège. Je vous montre d'ailleurs l'arpège qu'on va utiliser à la main droite. Le pouce, comme d'habitude, s'occupera toujours de la basse. Donc là, en l'occurrence, comme notre premier accord, c'est Mi mineur, il sera sur la corde de Mi grave. Et index, majeur, annulaire seront pour l'instant sur les cordes de Ré, Sol et Si. Je vous montre rapidement à quoi ressemble l'arpège. Donc en fait, il est plutôt simple. Donc le pouce qui est sur la basse et l'annulaire qui est sur la corde de Si vont d'abord jouer en même temps. Ensuite on va jouer l'index qui est corde de Ré, le majeur corde de Sol, on rejoue l'index, on joue l'annulaire corde de Si, et on finit avec l'index. Qui nous donne avec les temps 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, n'hésitez pas à vous entraîner à le faire tranquillement, et puis ensuite de plus en plus rapidement. Et cette fois-ci, concernant les accords, on ne va pas forcément les jouer tels que je vous les ai montrés. On va simplement utiliser les notes qui nous intéressent. Et du coup, pour le Mi mineur, on va mettre le majeur sur la corde de Ré, case 2. Le pouce sera sur la corde de Mi grave, les trois doigts sur Ré, Sol, Si. Et on va faire notre arpège deux fois. Ensuite, pour le La mineur, on va le faire La mineur 7, en ajoutant simplement l'index corde de Si, case 1. Le pouce descend corde de La, et deux fois l'arpège. Ensuite, le Ré, on va le faire Ré septième. Pour ça, on va simplement descendre le majeur sur la corde de Sol, case 2. Et dans l'idéal, on va aussi ajouter le pouce sur la corde de Mi grave, case 2. Donc du coup, le pouce à la main droite monte corde de Mi grave et on fait deux fois l'arpège. Si vous avez du mal à mettre votre pouce sur la corde de Mi grave, eh bien du coup, vous jouez la basse en Ré à la main droite. Ensuite, pour le Sol, on met simplement l'annulaire sur la corde de Mi grave, case 3. Donc le pouce monte corde de Mi. Et on fait deux fois l'arpège. Ensuite pour le Do, on va faire un Do majeur 7. Le pouce descend corde de La, deux fois l'arpège. On revient en La mineur 7. On fait le Si septième, mais on n'a pas besoin de mettre l'auriculaire sur la corde de Mi aigu pour l'instant. Le pouce est sur la corde de La, deux fois l'arpège. Et on termine comme on a commencé avec Mi mineur. Joue tout ça sans parler et lentement. Apprendre la guitare de manière simple, efficace et sans théorie. Que vous soyez débutant ou intermédiaire, je vous propose un accès à vie à ma méthode en ligne qui regroupe plus de 80 cours où vous apprendrez vos premiers accords, vos premiers rythmes, à faire sonner vos barrés, plusieurs styles de jeu, de techniques, d'arpèges, à improviser, à enrichir vos morceaux, à réinterpréter à l'infini. Vous pourrez aussi me poser toutes vos questions sur le chat. J'ai tout mis afin que vous puissiez vous amuser et maîtriser la guitare. À la suite de ça, on pourrait donner un peu plus de relief en allant sur des notes un peu plus aiguës. Je vous montre rapidement à quoi ça pourrait ressembler. Pour jouer ça, on va mettre d'abord notre auriculaire sur la corde de Mi aigu, case 3, pour jouer notre Mi mineur. Le pouce sera sur la corde de Mi grave, mais cette fois-ci, les trois doigts vont descendre d'un cran et se retrouveront sur les cordes de Sol, Si et Mi aigu. L'arpège reste le même et on joue deux fois.
Ensuite, on va garder notre auriculaire là où il est et on va faire un La mineur avec nos trois doigts, le pouce descend corde de La, deux fois l'arpège. Ensuite, on va faire un accord de Ré septième, le pouce descend corde de Ré, deux fois l'arpège toujours. Ensuite, pour le sol, on va faire un sol majeur 7. Donc du coup, on va le faire comme tout à l'heure avec l'annulaire corde demi grave case 3. Mais on va ajouter l'index corde demi aigu case 2. C'est pas évident à faire, donc vous pouvez casser un petit peu votre poignet vers l'avant pour bien placer vos doigts. Le pouce est sur la corde demi grave. Ensuite, pour le Do, on va simplement mettre l'annulaire sur la corde de La case 3. Le pouce descend corde de La. Ensuite, on va aller sur un La mineur 7. Le pouce reste corde de La. Ensuite, on va faire notre 6-7e. On va d'abord jouer le 6-7e normalement. Ensuite, pour le deuxième arpège, on va décaler notre auriculaire, corde demi-aigu, case 3. Et on finit avec un mi mineur, corde à vide. Je vous joue tout ça lentement et sans parler. Aller un peu plus loin en créant des mélodies. Je vous montre rapidement ce que ça peut donner. Et en fait, on peut remarquer que la mélodie se joue exclusivement sur la corde de mi aigu. Alors, dans la vidéo précédente, j'en avais déjà parlé, mais je le redis là. En fait, pour créer des mélodies, on va se baser sur une gamme. Une gamme, c'est un ensemble de notes qui sonnent bien ensemble, qui font partie un peu de la même famille. Et là, en l'occurrence, notre morceau est en tonalité de mi mineur. Et du coup, on va se baser sur la gamme de mi mineur naturel. Je vous montre rapidement les notes qui font partie de cette gamme-là. On va pouvoir jouer la corde de mi aigu à vide. Case 2, case 3, case 5... Case 7, case 8, et on pourra aller un peu plus loin, mais ça ne nous intéresse pas. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'idée, il faut à chaque fois jouer la basse de l'accord que l'on joue, donc par exemple Mi, et ensuite, on a toute la liberté de jouer les notes tant qu'elles font partie de la gamme. Donc par exemple, on pourra aller avec l'annulaire case 7 de Mi aigu, et on fait d'abord une fois l'arpège, et ensuite on va case 5. Ensuite, pour notre La mineur, on va éviter de le jouer ici parce qu'en fait, on ne va pas vraiment avoir accès aux notes aiguës de la gamme et ça serait un peu étrange de passer de notes très aiguës à des notes assez graves. Donc du coup, on va jouer notre La mineur un peu plus loin sur le manche. On va faire une triade de La mineur. Hein. C'est les triades, c'est les accords à trois sons. Et pour faire ça, on va aller sur la corde de Sol, Si et Mi aigu, case 5. Dans l'idéal, on va essayer de barrer avec l'index. Okay. Donc là... on a notre triade de La mineur, le pouce sera sur la corde de La pour jouer la basse, et on pourrait jouer par exemple avec le petit doigt la case 8, qui fait partie de la gamme, et ensuite on peut jouer la case 7. Pareil pour le Ré majeur, si on le joue de cette manière-là, on va avoir du mal à accéder aux notes aiguës, du coup on va le faire d'une autre manière, on va barrer avec l'index corde de Sol, Si et Mi aigu, case 2, on va ajouter le majeur sur la corde de Si, case 3, donc en fait, là on a notre Ré majeur, et ça va nous laisser l'auriculaire de libre pour aller choper la case 5, par exemple, pour commencer l'arpège. Et ensuite, on va aller case 3 avec l'annulaire. Et bien, on pourra aller choper des notes encore plus aiguës en jouant notre Ré majeur de cette manière, en mettant majeur et annulaire corde de Sol et de Si, case 7. Et du coup, on mettrait l'auriculaire case 8 pour commencer. Et ensuite, case 7. Ensuite, pour le Sol, on pourrait par exemple d'abord jouer la case 3. Ensuite la case 2, mais dans l'idéal on va rester un petit peu sur les aigus et du coup on va mettre plutôt l'index sur la corde de mi grave case 3 pour pouvoir avec l'auriculaire choper la corde de mi aigu case 7 et ensuite on va aller case 5. Pour le Do cette fois-ci on va pouvoir revenir un peu sur des graves et du coup on va jouer d'abord corde de mi aigu case 3 avec l'auriculaire et ensuite case 2. On doit revenir sur La mineur, donc on pourrait tout à fait jouer case 3
case 2. Mais on peut aller retrouver un petit peu des notes aiguës pour justement mettre un peu de tension. Et pour ça, du coup, on va le faire en triade comme je vous l'ai montré auparavant. Sauf que cette fois-ci, on va mettre majeur, annulaire et auriculaire, corde de sol, si et mi aigu, case 5. On joue d'abord une fois avec le la à la basse. Et ensuite, on va enlever l'auriculaire et on va mettre l'index sur la corde de mi grave, case 3. Et enfin, notre 6/7, on peut le commencer avec l'auriculaire, corde de mi aigu, case 3. Et ensuite, case 2. Et pour finir, le mi mineur, on peut le terminer avec les cordes à vide. Je vous joue ça rapidement. Encore une fois, n'oubliez pas que vous avez la liberté de jouer les notes que vous souhaitez tant qu'elles font partie de la gamme et que vous réussissez à jouer les basses de chacun des accords. Donc par exemple, moi je vous ai montré d'abord case 7 et case 5, mais vous pouvez tout à fait faire 3, 5, et ensuite monter progressivement vers les aigus. Voilà, amusez-vous bien avec tout ça, et moi, comme vous le savez, je poste plein de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, ça me fait rudement plaisir, ça me motive pour faire d'autres contenus gratuits, et je vous dis à bientôt, ciao.